donner la force, ça va nous aider beaucoup, la famille. Tu vas être ton pied, mon pied, il va t'aimer naturellement, la famille. Voilà, c'est de ça que je partage pour le mariage, pour le couple. Voilà, le couple va renforcer. Parmi nous, il y a des hommes aujourd'hui, ceux qui ont la maison, ils n'arrivent pas à les considérer. C'est dehors qu'ils voient là. La maison là, ce n'est pas de femmes. Dehors qu'il y a des femmes. Voilà, ma soeur, tu as ça pourquoi? Lève-toi, va faire ce recette là, tu vas garder ton homme. Aucune femme va venir l'arracher dans ta main. Il ne faut pas t'asseoir. Là où il y a le goût, c'est là-bas, il y a le malheur aussi. Tu t'apprêtes. Il ne faut pas t'asseoir en disant non, aujourd'hui tout va bien. Non. Là où tout va bien, là, tu t'apprêtes pour garder, pour après pour demain. Pour que demain, avant que demain va venir, tu as déjà assuré pour toi. Personne ne va prendre le balai pour te balayer là-bas. Personne ne pourra faire sauf Dieu. Rien ne peut te ramasser là-bas sauf grâce à Dieu et la famille. C'est des recettes que je partage. C'est le pain que je partage pour donner purifié à le corps, pour donner la force, pour donner le cœur vraiment que ça soit la famille. Tu vas être classique dans ton foyer. Tu vas être classique dans ton cœur. Tu vas être unique à lui. Sans toi, rien ne va marcher pour lui. Sans toi, sa vie est toujours en privé. Tu seras toujours bien. Tu seras l'homme. Tu seras lui seul pour lui. Voilà, c'est de ça. Ton homme aussi, tu es avec ta femme. La situation est bizarre, bizarre. Tu ne comprends rien. Viens faire ce recette pour que ta femme va te regarder. Ta femme ne te regarde pas. C'est dehors qu'elle regarde. Elle s'en fiche de toi. Voilà ce recette. Tu as beaucoup de soucis quand tu te couches la nuit, tu ne dors pas. Tu te penses, tu l'aimes beaucoup, mais vraiment, elle n'a pas l'intention pour toi. Elle n'a pas le sentiment pour toi. Elle n'est même pas d'ici, je suis avec quelqu'un. Tu n'es pas la considération chez lui. Voilà ma chérie, voilà mes bébés, c'est de ça que vous allez partager. Ces joies-là, c'est vrai que je vais partager avec vous pour donner la paix, pour lui donner bien, là, pour donner la clé de ton mariage. Tu vas voir la clé là-bas. Personne ne va venir prendre le balai pour te ramasser. Tu n'auras personne pas grâce à Dieu. Tu seras unique. Tu es unique là-bas et tu seras de plus encore. Voilà. Tu le conjugues là-bas. Le verbe conjuguer, le verbe aimer, là, tu serais seul à aimer là-bas. Il n'y aurait pas deuxième verbe qui va venir conjuguer là-bas si ce n'est pas toi. Voilà la famille. Vous allez voir ce recette. C'est très simple pour la famille. Mes amours, voilà la famille. Ce recette en faisant, mes bébés, tu dois être propre. Tu n'as pas besoin de contact à ce moment de ton homme. Homme aussi, tu n'as pas besoin à ce moment de contact à ta femme. Voilà, tu dois être propre. Si tu es en règle, ma soeur, ne touche pas. Il faut laisser. Jusqu'à tu vas finir d'abord. Après, tu es là proprement. Tu vas venir prendre pour avoir le résultat positif. Pour avoir bien comme ça se passe. C'est de ça que je partage la famille. Voilà, qu'est-ce que tu aurais? Tu vas prendre ton bain, ton seau de bain, son propre. Voilà. Ce seau-là, tu n'as pas des habits. Tu ne fais rien dedans la famille. Donc, tu vas faire quoi? Tu ajoutes de l'eau dedans la famille. Voilà, vous allez voir les ingrédients très simples à retrouver partout, mes bébés. Très bien pour nous aider la famille, pour donner vraiment purification du corps, pour donner la force, pour aimer le couple. C'est de ça la famille. Dieu dit que aimons-nous vivants, c'est important. Quand le couple aime, là, quand il y a la paix au couple, je vous dis la famille, tout ce qui va rentrer là, c'est bien qui va rentrer, c'est la paix qui va rentrer. Le bonheur va rentrer, le succès va rentrer. Mais s'il y a le feu là-bas, là, rien va rentrer là-bas. La paix ne peut pas rester là-bas. Donc c'est la paix que je vous demande, mes chéris, que Dieu rentre la paix dans votre maison. Voilà, vous allez voir. Vous aurez besoin de soufre jaune là, comme vous le voyez avec moi. Notre recette est basée de soufre jaune là. Vous allez prendre votre chaud de bain comme ça. Vous ajoutez l'eau propre, la remplie de l'eau propre comme ça, la famille. Voilà mes bébés, vous allez ajouter le soufre jaune là comme ça. Voilà, c'est ça le soufre jaune, la famille. Vous le voyez, c'est ça. Vous allez ajouter ça dans votre lot de bain comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire, la famille? N'oublie pas de parler les vœux, n'oublie pas de parler la réalisation que tu veux. Il faut parler tes vœux là, voilà, c'est ça. Dieu nous juge avec le cœur. Quand tu vas finir, qu'est-ce que tu vas faire, la famille? Tu aurais besoin de poudre à canot. Poudre à canot, c'est quoi? Le poudre de physique. Voilà, tu aurais besoin de ça, la famille. Voilà, vous ajoutez ça aussi, voilà le poudre de physique. Vous ajoutez ça aux juste une quantité, comme vous le voyez. Voilà. Voilà le poudre à canot aussi, juste une petite quantité, la famille. Vous ajoutez ça aussi dedans, mes amours. Quand vous finissez, qu'est-ce que vous allez faire? Laissez ça va se reposer d'abord, la famille, avant de te laver, la famille. Ok, mes bébés? Va te laver, la famille. Chaque jour, tu vas faire un nouveau recette. C'est bien, c'est fait pour 7 jours, la famille. Tu fais c'est bien pour 7 jours, la famille. Homme aussi, pour 7 jours, si c'est pour ta femme, là. Il va t'aimer, il va applaudir. Sans toi, sa vie serait toujours là. Il serait privé de toi. Si tu n'es pas devant lui, il ne peut pas. Si tu n'es pas devant lui, elle ne peut rien, la famille. Ce recette, c'est bien, mes chers. Ça va vous aider. Ça renforce le couple, ça donne la paix. Tu seras la seule
unique dans son genre, la seule unique climatisée dans son cœur, le portable fixé à toi, aimant la princesse, le miel à lui seul. Voilà mes chéris, c'est de ça que je partage. Être toujours miel, être toujours miel. Voilà, tu seras ton chocolat bonbon, le lait à lui seul. Tu ne vas pas être toujours avec d'autres personnes.